gentlemen, good afternoon. Your Excellencies, Captains of Industry, and to my fellow colleagues in the business sector, and of course, members of Business France. A very special thanks to Business France for hosting us this afternoon. It is always pleasing to be invited to participate in a forum that showcases sub-Saharan Africa, as well as Mauritius and Madagascar, as well as France. And a special thanks to our host, Mr. Laurent, who's also the CEO of Business France. Ladies and gentlemen, as has already been said, mine is to be very brief. I have three elements that I'll speak to this afternoon. A lot of them have really been covered, and this is pretty much a reflection of what I have seen and enjoyed about today. In terms of politics, I will say there was a fair amount of coverage, particularly around South African politics, given recent developments. And it's just for you to know that South Africa is but one of 19 countries in the continent of Africa that will be holding elections. Needless to say, there will be a lot of interest from all of you, particularly with those who operate in Botswana, Mozambique, Namibia, as well as Mauritius. But the one thing that we have as Africa and as African have shown is that democracy prevails and democracy exists. It has been a great delight to have been here today, and some of the highlights for me were some of the themes, particularly the theme of economic reforms across Africa, something that the world has been waiting for, and something that I know has been a primary focus, moves to stem corruption. There is no need to repeat as to how bad corruption is for a society, as well as for an economy. The acknowledgement that the ease of travel is important, not only for business reasons, but also to foster cultural and social ties. The focus on energy speaks to a key element, particularly within the framework of South Africa. We spoke about climate, water, infrastructure, and recently, a lot was said around digitization. I've had the pleasure over the last 6 years of working with French companies, primarily based in South Africa. It is very pleasing and reassuring that French companies are continuing to spread their wings outside of South Africa and into the rest of the continent. To my fellow Africans, especially those from sub-Saharan Africa and Mauritius, I can say the South African example and experience of French business has been positive, rewarding, and mutually beneficial. I must say, our engagement today also comes at a critical juncture for the world. What we have noticed and we've all experienced is the great divide between the North and the South. This divide has widened quite prominently across politics, finance, as well as in terms of how countries manage the just energy transition. It is thus very important that we use opportunities like these to have frank discussions, to be open, to be honest, and importantly, to follow through with what we say we shall do. Ladies and gentlemen, thank you very much for the invite. It's a pleasure to share these few thoughts with you. I wish you well, and I hope next time Business France will host us in Africa itself. Thank you very much, madame. Merci d'avoir été en notre compagnie, donc. Pouzile Langeni. Je vais passer la parole à Sébastien Deplat. Sébastien, voilà, que j'ai vu tout à l'heure. Président des conseillers du commerce extérieur français en Afrique du Sud. Là aussi, un petit mot de conclusion, si vous voulez bien. Juste en 2 minutes sur l'Afrique du Sud et 2 minutes pour présenter la partie 2 de l'événement. J'étais assis à écouter la matinée et la première chose qui m'est venue, c'est de dire merci à Business France d'avoir organisé un événement comme ça. Et je suis tombé sur un article dont je me suis rappelé. Mes parents m'ont envoyé il y a un mois un article d'un grand journal français. Je n'aimerais pas parce que c'est le journaliste est dans la salle pour ne pas avoir de problème. L'Afrique du Sud, étoile pâlissante du Sud global. Étoile pâlissante, fossé grandissant, inégalité économique et raciale, cauchemar, Zuma, cauchemar du pays, etc., etc. Cet article a été publié il y a exactement un mois. Premièrement, il a été publié 2 semaines avant des élections qui ont changé énormément de choses en Afrique du Sud.
Deuxièmement, je pense qu'il n'y a pas une personne qui vient d'Afrique du Sud qui est d'accord avec un article comme ça. Et je pense aux investisseurs, je pense aux sociétés sud-africaines. Et je remercie énormément donc, d'avoir des discussions comme celle d'aujourd'hui, parce que l'image qu'on peut avoir de l'Afrique du Sud ou des pays de la région, vue de France, n'est pas toujours la bonne. Il y a des difficultés, comme dans beaucoup de pays dans le monde. On a en Afrique du Sud des difficultés d'énergie, on a des difficultés d'éducation, de transport, d'industrialisation, oui, mais comparé à d'autres pays d'Afrique, on est largement au-dessus, première chose. Et deuxième chose, on est aussi ici des gens du business, et il ne faut pas oublier que l'économie est une chose, mais le business en est une autre. Et quand on pense business, il faut aussi penser à la stabilité politique d'un pays, à la régulation bancaire, financière, à la régulation légale. Et ce sont en Afrique du Sud des sujets qui sont à un niveau international. Le système bancaire est l'un des meilleurs systèmes au monde, et toutes les entreprises qui ont des difficultés avec des clients, des fournisseurs, ont toujours eu une justice qui a été extrêmement bien faite en Afrique du Sud. Voilà. Donc, juste rétablir ça. Ensuite, le 15 et 16 octobre, il y a donc la partie 2 de l'événement, co-organisée avec Business France, Chambre de commerce française, les conseillers du commerce extérieur, l'ambassade de France. Il va y avoir des délégations du MEDEF international qui viendront de France, et également des délégations de La Réunion et de Maurice prévues pour le moment. On est en train d'organiser d'autres délégations de pays d'Afrique qui viendront pendant ces 2 jours pour un business forum. Le format sera de 2 jours avec une journée un petit peu comme aujourd'hui, une matinée avec des conférences, une après-midi avec des workshops thématiques, donc pour rentrer beaucoup plus dans des sujets comme l'énergie avec les... Et donc il y aura 5 ou 6 thèmes qui seront partagés très très rapidement par Business France. Le lendemain, il y aura des B2B, donc une journée entière de B2B entre vous, avec des clients fournisseurs potentiels en Afrique du Sud ou dans la région, et également avec des institutions sud-africaines ou régionales. Il y aura les ambassadeurs de la région qui seront présents, par exemple. Et le forum sera suivi, pour ceux qui sont conseillers du commerce extérieur, par 2 jours de conférences de tous les conseillers du commerce extérieur en Afrique, qui se tiendra le 17 et le 18. Voilà. Merci. Parfait, merci à vous. Allez, on va l'applaudir également, Sébastien. Voilà, infatigable président des CCE d'Afrique du Sud, Sébastien Deplace. Tout aussi infatigable, c'est Étienne Giros. Bonjour Étienne, président du CIAN, hein, le Conseil des investissements en Afrique, hein, qui regroupe les grandes entreprises françaises notamment. Allez, je sais que vous aimez bien synthétiser tout ça, il ressort toujours son petit calepin, voilà, j'aime beaucoup. Et il va nous dire 3-4 points de manière assez courte, hein, si vous pouvez, mon cher Étienne, pour nous dire un peu ce qu'il a retenu de cette manifestation et de la région. Alors. Bonjour à tous et merci de me rappeler qu'il faut que j'aille vite. Donc moi, j'avais prévu de vous faire un résumé de tout ce qui a été dit depuis ce matin, assez long pour détailler tout, en une demi-heure, 3/4 d'heure. Donc je vais aller plus vite parce que je pense qu'il y a un buffet de Rome qui nous attend, c'est bien compris. Donc je ne vais pas vous supplicier plus longtemps. Je voudrais d'abord vous dire une chose que je ne sais pas si vous savez, mais on pense que les entreprises françaises sont très impliquées dans l'Afrique francophone, ce qui est vrai, mais elles sont assez focalisées sur l'Afrique francophone. Rien n'est plus faux. Sur le podium du plus grand chiffre d'affaires réalisé par les entreprises françaises en Afrique, il y a 3 pays de l'Afrique australe. Le premier, c'est l'Afrique du Sud. Le deuxième, c'est l'Angola. Et quelquefois, c'est le Mozambique. Alors, ils combattent un petit peu sur le podium avec l'Égypte et le Nigeria. Mais vous remarquerez que sur ces 5 pays que je viens de citer, il n'y a pas un francophone. Donc, corrigeons cette idée, déjà, que les entreprises françaises, elles se focalisent sur les entreprises, sur les pays francophones. Ça n'est pas vrai. Alors ensuite, plus sérieusement maintenant, sans tout résumer, je préférerais vous dire 3 ou 4 choses que j'ai retenues de la matinée. J'ai préféré ne rien préparer et écouter. Je vais vous dire ce qui m'a marqué. La première idée, et ça je l'aurais dit même si ça n'avait pas été dit ce matin, c'est que je pense qu'il se passe quelque chose en Afrique du Sud qui est positif. Première économie du continent. Il y a eu les élections, il y a maintenant la coalition, le président a été réélu, et c'est une coalition qui, espérons-nous, va entraîner les réformes qui vont réaccélérer l'économie du pays. Et donc, je voulais vous dire que dans l'environnement du CIAN, mais j'ai compris que c'était très partagé ce matin, il y a une confiance retrouvée, ou en tout cas renforcée pour ce pays. Ça, c'est la première idée. D'ailleurs, j'ai reçu pendant la matinée
deux articles qui sont assez parlants, que de la presse anglo-saxonne, qui n'est pas réputée pour sa poésie et sa rêverie maximum. Le premier, c'est de The Economist, qui titre « A remarkable new era begins in South Africa ». Et le deuxième, c'est The Financial Times, qui écrit « The investors welcome the swearing in of the President Ramaphosa ». So, c'est deux preuves que je pense que ce sentiment est partagé. Ça, c'est la première idée. Deuxième idée, il y a des grands projets et des régions porteuses. Ça, c'est ressorti très fortement ce matin. Ça n'est pas que du wishful thinking ou de l'optimisme de bon aloi dans cette réunion. Je pense qu'il y a du réel. Je pense à l'Angola. Il n'y a pas que l'Afrique du Sud, on vient d'en parler, mais il y a l'Angola. Et on a eu des témoignages très intéressants. Il y a évidemment le Mozambique avec le projet Total Énergie. Et dans ces projets-là, ce qui me frappe, c'est qu'il est intéressant pour nous tous, opérateurs économiques, de se raccrocher aux grands groupes. Quand Total Énergie investit en partenariat 20-25 milliards, si ça se fait, au Mozambique, il faut que les groupes s'accrochent. Et c'était intéressant d'entendre le groupe Altrad ce matin. Il disait, finalement, je m'accroche un peu à ces grands projets. Ensuite, on est sur la place, on connaît le pays et on développe ses propres business. Donc, parlez entre vous, voyez-vous, parce que sinon, si on ne se parle pas, il n'y a aucune chance qu'on s'accroche les uns aux autres, si je puis me permettre cette métaphore. Et donc, le CIAD, par exemple, ça sert à ça, mais Business France aussi. Et il n'y a pas que les grands projets, il y a aussi les endroits et les lieux. Et là, je pense à Maurice, qui a fait un exposé très intéressant, on les connaît bien. Je peux vous dire qu'ils sont très actifs pour venir chercher les entreprises françaises parce qu'ils proposent un cadre positif pour développer le business. Donc, grand projet, partenariat, et installez-vous dans les endroits où c'est plutôt facile de faire du business, vous pouvez faire un siège, vous avez des avantages fiscaux, etc. Donc, c'est ce travail en commun qui est important. Troisième idée, il y a, me semble-t-il, chez nous, Français, des secteurs très porteurs et que nous retrouvons en partenariat avec ces pays d'Afrique australe. Je pense par exemple aux infrastructures. Je pense au projet de la vie sociale. C'était intéressant d'entendre Paul raconter son aventure. Ça montre que les entreprises françaises ont une image forte en Afrique australe, pas que en Afrique francophone. Je reprends ce que je disais tout à l'heure. Et donc, il ne faut pas avoir peur. Il y a une envie de France. Il y a une envie de France. Donc, c'est à nous de les traduire. Donc, il y a plusieurs secteurs. Il y a aussi, évidemment, les énergies nouvelles. Et puis, en dernier point, et j'aurais fini, je voulais vous dire que, mais vous le savez tous, que ce qui me semble ressortir de la matinée aussi, c'est qu'il faut avoir une vision de long terme. On ne peut pas aller dans ces pays et y réussir pour faire des coups. Et ça, c'est la grande spécialité des entreprises françaises. On a une vision long terme en Afrique et on s'installe sur place. Et moi qui préside aussi l'EPCAM, qui est la même chose que le CIAN pour l'Europe, je peux vous dire que nos collègues européens, ils n'ont pas tous cette manière de faire. Donc, tirons-en profit. Mais ça, c'est les deux caractéristiques positives. Mais on a une petite caractéristique négative aussi. C'est quelquefois, on a peur et on est pris par un sentiment de péril ou de risque. Et en ce moment, il existe sur l'Afrique. Et moi, je m'inscris en faux contre ça. Non, l'Afrique, elle n'est pas plus risquée qu'ailleurs. Et l'Afrique australe, encore moins qu'ailleurs. La circonstance en ce moment politique que nous vivons dans notre pays, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Mais nous, menons notre chemin. Car il n'y a pas de sentiment anti-français. Il y a un sentiment anti-politique française, s'il existe. Et il est manipulé, il est développé. Donc, n'ayons pas peur. Et allons-y. Et il me semble qu'il faut aller dans ces régions, plus qu'ailleurs. Et quelquefois, j'ai un peu de peine. Parce que je me dis, quand je vois le potentiel, quand je vois l'envie qu'on peut avoir de nous autres, entreprises françaises, et du fait qu'on n'y va pas assez, qu'on n'est pas assez agressif, je me dis, on laisse passer des chances. Et après, on va pleurer dans 15 ans. Donc, allons-y tout de suite. Et déjà, avant même d'y aller, je vous propose de vous retrouver au bar à Rome.